L'église que vous visitez ce matin, c'est l'église des Patmos du Donnet de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une nouvelle église puisque les hommes ont créé, mais c'est l'église par accident du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Comme vous l'avez constaté ce matin, déjà, le décor a été planté par Dieu lui-même. Notre église n'a rien en commun avec les autres églises. C'est vrai. Notre église a été instituée depuis le ciel par le Dieu des enfants d'Israël, depuis la création du monde. Et il y a 40 ans de cela, que cette décision que Dieu a prise depuis la création du monde, cette décision a vu le jour. Alors, il y a 40 ans de cela, une dame, alors à l'époque chrétienne de l'église Sema, est allée à l'église comme tout le monde un dimanche. Et au cours de la prédication, il y a une voix qui a dit à cette dame de dire Alléluia. La dame, elle a refusé de dire Alléluia parce que pour elle, elle n'était pas la personne la mieux indiquée pour dire Alléluia. Deux fois, elle dit non. Trois fois, elle dit non. Alors, la voix qui l'a intimée lors de dire Alléluia, cette voix s'est transformée en une très très forte lumière provenant depuis l'autel de prédication et cette lumière pénétra profondément cette dame. Et cette dame, elle est tombée. Et lorsqu'elle est tombée, Alléluia, qu'elle n'a pas voulu dire, elle a commencé à dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Depuis ce jour, la nouvelle alliance que Dieu a prévue, tissée avec les hommes, pour que les hommes de maintenant puissent avoir la vie éternelle, venait de voir le jour. Ainsi, depuis lors, cette dame, elle a commencé à avoir des révélations sur le comportement des chrétiens. Comment se confesser? Alors, au fur et à mesure qu'elle travaille avec le Dieu des enfants d'Israël, Dieu va encore établir une communication directe depuis le ciel avec cette dame. Dieu l'a fait à son temps avec Moïse et Dieu vient de le faire encore à son temps avec cette dame. Alors cette dame, elle parle avec Dieu. Elle communique avec Dieu. Ce n'est pas en rêve, ce n'est pas en songe. Vous et moi, ce matin, nous avons échangé. C'est de cette même manière que cette dame, elle parle avec Dieu. Et elle, elle s'appelle la prophétesse Yahweh. Alors, chers frères et sœurs, si vous entendez Naomi passer, Naomi par là, ne soyez point inquiets, ne soyez point troublés. Ce n'est pas Naomi qui a décidé d'associer son nom à celui du Dieu des enfants d'Israël. Comme Moïse n'a pas non plus accepté d'associer son nom à Dieu. Autant on a dit Dieu de Moïse, Dieu de Jacob, aujourd'hui Dieu encore se reconnaît en cette dame en disant Dieu de Naomi, vous avez la vie sauve. En disant Dieu de Naomi, vous êtes protégé. En disant Dieu de Naomi, vous avez la vie éternelle. Alors, chers frères et sœurs, ce matin, nous allons demander au Dieu de la parole d'avoir pitié de vous comme il a pitié de tous ceux qui sont ici, d'ouvrir vos yeux. Que vous aussi, vous puissiez voir toutes les grandeurs de Dieu qui sont dans ce lieu. Que vos séjours parmi nous soient le meilleur de votre vie dans le nom du Dieu et là-haut. Nous vous demandons de vous lever comme nous savons si bien le faire pour que nous accueillions ensemble le capitaine du jour qui est le principal très très efficace et le condamnateur du sacrifice à la chair. Thank you.
Comment on dit pas? Est-ce que vous allez bien? Ça va? Est-ce vrai? Non, on y a mis les mains en dessous. Le Dieu qui nous a tous protégés. Vous croyez quand on parle de Noé,
Maintenant, on parle de vos croyants. Nyamia Kouswa est mort. Dieu est toujours vivant, il n'est pas mort. Éternel, il est là. Je suis parti pour aller au travail, mais je vais vous montrer à ce matin. À ma conscience.
Genèse 18, verset 1 à 13. Le fils de Dieu a parlé encore à Abraham. Amen. Vous savez que Dieu a chaque fois avant de détruire le monde, il prend un chemin pour ses ennemis. C'est celui qui est passé au champ d'Abraham, où le Seigneur devait détruire Sodome et Gomorrhe. Il a rendu visite à Abraham sous la forme humaine. Il s'était passé à toi. Vous avez demandé si parmi ces trois personnes, Dieu était représenté. Vous avez dit que Dieu était représenté ainsi que deux anges. Ils ont même mangé chez Abraham boire. Et ils ont parlé, le prisonnier a parlé de la destruction de Sodome à Abraham. Alors, arrête-toi là, mais ne t'assois pas. Nous avons une question de l'âme de Dieu. Pourquoi Dieu a dit tout ce passage? Vous nous avez parlé de ce passage pour nous dire, pour nous ouvrir les yeux sur ce qui se passe présentement. Parce que le même qui s'est passé au temps d'Abraham est aujourd'hui en face de nous. Le Seigneur l'a encore une fois détruit ce monde-là. Et pour sauver ses ennemis, il a passé un chemin. Aujourd'hui, c'est le chemin de la prophète Yahweh Naon. Amen. Et dans ce passage-là, on a vu que Dieu s'est fait humain et est venu voir Abraham. Dieu a échangé avec Abraham. Donc Dieu a pris une forme humaine. Donc aujourd'hui, on ne doit pas être étonné que Dieu soit à côté de la prophétesse Yahouaïa. Donc c'est la même chose qui s'est fait hier, on a aujourd'hui les mêmes choses aujourd'hui. Si Dieu a pris une forme humaine pour aller voir Abraham, échanger, poser, boire et manger, on ne doit pas être étonné aujourd'hui de voir Dieu à côté de la prophétesse. Mais encore, donc, il y a un mal à la donc, on va faire un peu.
Amen. Amen. Quand il est transparent, on est là avec lui. Il est quand même un homme, un homme, un homme, un homme, un homme. Ça veut dire qu'on doit être bien. Amen. Quand on vous raconte ce que Dieu a fait avant, c'est pour que vous compreniez le travail que Dieu est en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas un conte que nous sommes en train de vous raconter. Amen. Un temps des enfants. Je vous ai dit toutes ces paroles-là. Nous les derniers moments, ils vont vous que vous sachiez qu'il y a des moments que Dieu se fait chier et il vient parmi les hommes. Quand il y a quand même une obligation pour l'homme, mais on a dit que Et ça ne fait pas du tout. Ça
été sous le règne de la prophète Naomi. Donc, depuis ce moment-là, lorsqu'il vient, il voit l'antenne. Donc, il se dirige vers le lieu où est l'antenne. Yeah.
Un jour, la prophétesse a dit ce sandra pour venir à Abidjan, en laissant le corps que Dieu habite là-bas. Et est-ce que le même matin, elle allait au marché à la synagogue. Le corps a quitté depuis sa sandra et directement, il a trouvé la prophétesse Naomi au marché. Lorsqu'il est arrivé, il a touché la prophétesse Naomi, elle s'est tournée, elle a vu le corps que le Seigneur avait. Elle a demandé, mais qui t'a monté ici? Le corps lui a dit que il y a une antenne qui quitte depuis le ciel et qui est sur toi. Partout où tu vas, on voit ça. Et c'est la direction de l'antenne-là que j'ai suivi, que ça a trouvé ici. Amen. Que toi, tu ne peux pas te cacher. Partout où tu es, on voit l'antenne. Voici pourquoi j'ai suivi, je t'ai trouvé ici. Amen. Donc, il faut dire que c'est une réalité que nous vivons ici. Suivez encore, je vais vous dire une deuxième chose. Un jour, nous étions tout petits, nous étions devant la porte sous la patate et nous avons vu des hommes venir. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit, mais où est la prophétesse Naomi? Nous sommes venus la rendre visite. Nous avons dit que maman dort. Il dit, réveille la prophétesse Naomi, nous sommes venus pour la saluer. Et lorsqu'elle est sortie, arrivée à la porte, quand elle a vu les hommes, elle a dit, mais ce sont des anges. Et du coup, ces hommes ont baissé la tête. Et quelques temps après, ils n'ont même pas donné, ils ont dit à la prophétesse Naomi, c'était juste un bonjour, nous allons demander à partir. Et ils sont partis. Amen. Amen. Un autre cas encore, un jour nous étions là dans la mission, il y a un monsieur qui était venu, un homme, un fou. Il est venu s'asseoir juste à côté du temple, il y avait un mendier, il est venu s'asseoir là. Lorsque la prophétesse Naomi est sortie, elle marchait, elle a vu ce fou-là. Il dit aux enfants, venez prendre de l'argent, vous allez payer des galettes pour lui. Ils sont allés payer des galettes, lui ont donné, il a mangé. Nous étions tout petits, nous l'avons suivi, nous avons vu partir. Arrivé quelque part, il y avait un oranger. Et il a même cueilli un fruit non mûr. Et il a mangé devant nous. Et il est parti. Après, Dieu a dit à la prophétesse Naomi que c'est l'ange Gabriel qui est venu te rendre visite comme ça. Amen. Amen. Et un autre cas encore, il y a une dame qui préparait et il y a un monsieur qui est arrivé et a demandé mais où se trouve le chemin de Safa Karifou. Lorsqu'un étranger vous trouve, toi-même tu sais que c'est un étranger, on lui donne à soi, on lui donne à boire, même on lui donne à manger. Quand la femme est en train de préparer, le repas est au feu. Elle dit au monsieur, mais là, à tout droit, devant toi, tu as pris le chemin à tout droit, tu vas arriver à Safa Karifou là-bas. Lorsque le cet homme a donné l'eau, il dit, mais passe tout le temps se promener sous le soleil, c'est pas à cause de mon petit repas là, il vient me demander la route de Safa, tout ça là. On connaît tout ça. Pour la femme, c'est ça qui est bon pour moi. C'est ça le problème. Voici pourquoi nous vous demandons de réserver l'hospitalité à tout le monde. C'est effectivement Dieu qui a établi la prophétesse là. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de notre Seigneur. Amen. Amen. Asia. Boleh.
c'est-à-dire à Sodome et Gomorrhe. Suivez ce qui s'est passé ensuite. Aujourd'hui, le message se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 19, du verset 1 au verset 29. Lot échappe à la destruction de Sodome. Ne dormez pas. Vers le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. Dès qu'il les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et s'inclina jusqu'à terre devant eux. Je vous en prie, dit-il, faites-moi l'honneur de venir chez moi. Vous pourrez y laver les pieds et y passer la nuit. Demain matin, vous continuerez votre chemin. Non, répondit-il, nous passerons la nuit sur place. Mais Lot insista tellement qu'il finit par aller chez lui. Il leur prépara un repas et fit cuire des galettes, puis ils mangèrent. Il n'était pas encore couché lorsque les hommes de Sodome encerclèrent la maison. Des jeunes gens ou vieillards, tous étaient là, sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les gens qui sont venus chez toi ce soir? Fais-les sortir. Nous voulons prendre notre plaisir avec eux. Lot sortit sur le seuil de la maison, ferma la porte derrière lui et leur dit, non, mes amis, ne commettez pas ce crime. J'ai deux filles qui sont encore vierges. Je vais vous les emmener et vous les traiterez comme vous voudrez. Mais ne faites rien à ces gens. Ce sont des autres. Ils sont sous ma protection. Hors-toi de là, répondit-il. Tu n'es qu'un étranger et tu voudrais faire la loi chez nous. Eh bien, nous allons te traiter encore plus mal qu'eux. Ils bousculèrent l'homme avec violence et s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer. Alors les deux anges empoignèrent l'homme, le ramenèrent à l'intérieur et fermèrent la porte. Quant aux hommes qui se trouvaient devant l'entrée de la maison, ils les frappèrent tous d'aveuglement, du plus petit jusqu'au plus grand, si bien qu'ils ne pouvaient trouver la porte. Les deux anges dirent alors, y a-t-il encore ici d'autres membres de la famille, un jeune, un fils, une fille, n'importe quel parent, amène-les hors de la ville. Le Seigneur a reçu en effet tant de plaintes contre ses habitants qu'il nous a chargés de la détruire. Lot alla trouver ses gens pour leur dire, vite, partez d'ici, car le Seigneur va détruire la ville. Mais ils s'imaginaient qu'ils plaisantaient. Au premier lieu du jour, les anges pressaient Lot de partir. En route, disait-il, prends ta femme et tes deux filles, sinon vous perdrez la vie, car la vie paiera ses crimes. Lot hésitait encore. Les anges le prirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, et le conduisit hors de la ville, car le Seigneur voulait le sauver. Lorsqu'il eut fait sortir Lot de la ville, l'un des anges dit à Lot, suis pour sauver ta vie, ne regarde pas en arrière, ne tape nulle part dans la région, réfugie-toi dans la montagne si tu veux rester en vie. Lot répondit, non, Seigneur, ce n'est pas possible. Bien sûr, j'ai bénéficié de ta bienveillance et tu m'as fait une grande faveur en me sauvant la vie. Mais moi, je ne pourrai pas fuir jusqu'à la montagne avant que le malheur m'atteigne et je mourrai. Tu vois cette petite ville, elle est assez proche pour que je puisse courir jusque-là. Laisse-moi me réfugier puisqu'elle est si petite et j'aurai la vie sauve. Eh bien, dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur de laisser intact la ville dont tu parles. Va vite t'y réfugier, car je ne puis rien faire avant que tu n'y sois arrivé. C'est pourquoi on appela cette ville Soar. Le soleil se leva quand l'homme arriva à Soar. C'est alors que le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre enflammée. Il a dit, ne dormez pas. Il soumit un total bouleversement ces deux villes et leur population, ainsi toute la région et sa végétation. La femme de l'homme regarda en arrière et fut changée en statue de sel. Tôt le matin, Abraham se rendit à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur. Quand il regarda en direction de Sodome, Gomorrhe et de toute la région environnante, il fit monter de la plaine une fumée semblable à celle d'un incendie. Quand Dieu détruisit les villes de cette région où habitait Lot, il pensa à Abraham et il permit à Lot d'échapper à ce bouleversement. Amen. 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 Amen.
et apporte le pardon à qui a pardonné mon cœur en s'assurant là. N'est-ce No,
Amen. Sapa. Quelle raison?
Bon. Alléluia. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en notre cœur à trouver. Si le Yeah, but what do you think?
de groupe. Non, je sors. Sa femme et sa belle-fille qui a été sauvée, parce qu'en ce moment-là, c'est nous.
et vous avez soutenu la prophétesse David dans ce travail-là. Certains parmi nous seront étonnés lorsque Dieu va les récompenser au dernier jour. Ils seront surpris, ils diront: Seigneur, c'est à moi tout cela. Le Seigneur dira: oui, parce qu'il est bien écrit, lorsque j'étais sur la terre, lorsque j'avais faim, vous m'avez donné à manger, lorsque j'étais malade, vous m'avez visité, lorsque je n'avais pas de vêtements, vous m'avez donné des habits pour m'habiller. Vous avez dit: Seigneur, quand nous avons fait cela? Lorsque vous allez vous cela à la prophétesse d'Amérique, ça va que vous allez faire cela. Amen. Croyez, c'est Dieu qui a établi effectivement la prophétesse d'Amérique. Tout ce qui sort de la bouche de la prophétesse d'Amérique, croyez. Tout ce que la prophétesse d'Amérique dit au prédicateur et qui vous transmet, croyez et acceptez et changez de comportement. Ayez foi, c'est en cela que vous allez vous en sortir. L'homme vêtu de blanc, le corps, c'est le Seigneur de Christ qui a mis ce corps, croyez. Amen. Croyez que c'est le Seigneur qui a apporté de la prophétesse d'Amérique. C'est lui, croyez, et c'est lui qui va vous sauver. Amen. Amen. Faites le bien. Les gens de Sodome et Gomorre, ils ont l'habitude de faire le mal. Et ce jour-là, croyant avoir deux personnes en face d'eux, croyant faire du mal à ces deux personnes, ils sont tombés sur le véritable Dieu. Ils ont l'habitude de manger la viande, la chair. Mais ce jour-là, ils ont mangé la chair parce que l'os n'est pas à l'extérieur. L'os est à l'intérieur. Ce jour-là, ils ont fini de manger la chair et ils sont sortis sur l'os. Mais ils n'avaient pas de temps solide et vous connaissez la suite. Amen. Ils ont l'habitude de faire le mal. Voici pourquoi ce jour-là, le Seigneur ne les a pas épargnés. Ils ont été détruits. Croyez tout ce que la prophétesse dit et acceptez que le Seigneur vous bénisse dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Et moi, tu m'as bien nommé.
que les gens de Sodome et Gomorre, vieillards, jeunes, sans exception, ont encerclé la maison et que Lot était en train de dire que ces étrangers sont sous ma protection, je ne vais pas les livrer, que j'ai deux filles qui sont encore vieilles, je vais vous les donner, traitez-les comme vous voulez. Ils ont dit à Lot, toi tu es un étranger et tu veux faire la loi chez nous. Attends, nous allons te traiter plus mal que ces deux étrangers. Et ils ont tendu leurs mains, ils ont fait rentrer Lot et ils ont fermé la porte. Mais Lot, en leur proposant ses deux filles, parce qu'il y avait deux étrangers qu'ils voulaient, Lot n'a pas donné de ses filles, mais il dit, je vous propose mes deux filles. Amen. C'est le même Dieu que Lot a servi que nous, nous sommes en train de servir. C'est le même Dieu qui est le Dieu de David que nous sommes en train de servir. Est-ce que vous, ce matin, vous êtes prêts à remplacer votre fille comme ce que Lot a fait, qui voulait prendre cette Il y a un mépris de pardon. Il y a un mépris de pardon.
Ce n'est pas à vous
ça n'a pas surpris Dieu. Dieu a décidé ainsi et il l'a fait. Amen. Ce que je vous demande, c'est de vous accrocher à la prophétesse Naomi, d'avoir foi et de faire tout ce qu'elle vous demande. Que le Seigneur vous bénisse tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. 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 Amen.
Se a quanto man ai passo. Se la niente le coma ya da. Se la niente le coma a papà. A volta le coma a te e a me. A te non te ne mi bagno. Se la niente mba coma ya passo. Se la niente le coma ya passo. A te non me a te. A non me tra ne mi. Ha? Ha? Ne mi bote caso me una un segno. A non me tre. Situation, même si tu es dans la tour. Mais quand tu es mauvais,
le Dieu de papa, accepter que tu puisses attraper ce bonheur. Tu vas mourir parce que tu n'es pas bon. Amen. Amen. Donc c'est comme ça qu'on va se comporter comme Lot. Lorsque nous venons ici, il faudrait que nous acceptons de louer Dieu, quelle que soit la vie qu'on a, quel que soit ce qu'on a. Dieu n'est pas venu à cause de notre beauté, à cause de nos maisons, à cause de nos costumes. Ce qu'on a, prenons comme ça pour servir Dieu. Ici, il n'y a pas quelqu'un qui est grand, il n'y a pas quelqu'un qui est puissant. Lui qui est grand, c'est Dieu lui-même. Dans son temps, il a accepté de venir chez Lot et l'a sauvé ainsi. Sachez que Dieu a créé l'homme comme lui-même. Et c'est pas l'homme qui va sauver ses contemporains. Aujourd'hui, lorsqu'on vous dit que Dieu est descendu et qu'il est avec la prophétesse Naomi, sachez que Dieu t'en parle. Si vous voyez la prophétesse Naomi, c'est Dieu qui vous a levé ainsi. Lorsque vous voyez Jésus assis à côté de la prophétesse Naomi, c'est Dieu même qui est là. Croyez, ayez foi. Et ce sont eux qui vont nous sauver. Dieu, s'il a accepté de venir sur la terre sous forme humaine en son temps, il l'a fait avec les autres. Aujourd'hui, c'est la même chose qu'il a fait. Acceptez et croyez. Que le Seigneur vous bénisse tous dans le nom de notre Seigneur. Amen. Yes, girls.
Est-ce que quand ça a chauffé, ou l'autre est en train de donner ses deux filles, est-ce que la femme n'a pas murmuré?
dit que ce se passe. Amen. Et en partant, ne regardez pas derrière. Mais si la femme a préparé pour eux, si elle a fait le lit, si elle a donné l'eau pour se laver, pourquoi le fait de regarder derrière, ça fait quoi? Ça fait quoi? Pourquoi le Seigneur peut réserver ce soir à la femme? Peut-être, j'ai dit bien peut-être, que cette femme-là a le comportement des gens de Sodome et Gomorrhe. Amen. J'ai dit bien peut-être, elle a le comportement des gens de Sodome et Gomorrhe. Amen. C'est l'occasion de vous dire aussi, vous les femmes, soyez gentils dans le foyer. Si monsieur, la parent qui arrive, la quelqu'un, monsieur, pour dire que telle personne est chez moi ici, est-ce que tu m'as averti? Est-ce que tu as laissé l'argent? Non. Recevez tous ceux qui viennent chez vous. Votre rôle, c'est d'accueillir, s'occuper de votre mari, vos enfants, d'accueillir tous les parents qui viennent. Amen. Vous les hommes aussi, ne vous laissez pas dominer par la femme. Si elle fait une proposition qui n'est pas bonne, qui va gâter votre nom, c'est pour le chef de famille, n'acceptez pas. Dites ça comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Pour que vous soyez bénis. Bénisse votre maison. Amen. Sachez faire la part des choses. Ce n'est pas à cause de l'amour de ta femme que tu vas rejeter les parents, que tu vas chasser tes parents. La mère, le père et la mère sont nos dieux sur terre. On doit les traiter. On doit s'occuper d'eux. Lorsqu'on a grandi, on doit s'occuper aussi de nos parents, puisqu'ils se sont occupés de nous. Amen. Et voici un village qui n'a rien fait, la femme a dû préparer, donner de l'eau, voici qu'elle est restée en route. La petite ville même qui n'a rien fait, il a échappé à cette destruction. Amen. La femme, peut-être qu'elle a un comportement déjà de Sodome et Gomorrhe. Si en partant Dieu dit à l'homme que ta femme là, elle a un comportement déjà de Sodome et Gomorrhe, qu'elle doit rester ici pour mourir, l'homme n'allait pas accepter de partir. Mais lorsque la gazelle monte, tu veux plus dignable et que tu veux mettre la main sur elle, tu t'as le piège. Donc Dieu, il est sorti de la ville et il a tendu le piège sur la route. Il a dit, en partant, ne regardez pas derrière. Et c'est là-bas que le piège a pris. La femme a regardé derrière. Elle dit peut-être. Et elle a eu un comportement. Elle a regardé derrière, le piège a pris. Amen. N'ayons pas ce comportement-là. Accueillons les gens. La femme qui a tout fait. Abraham a tout fait avec sa femme. La femme qui a tout fait, pourquoi c'est elle qui est restée et les gens qui n'ont rien fait puissent être épargnés? Est-ce que vous avez posé la question? Vous avez posé cette question? Vous n'avez pas posé cette question. Amen. Je vous ai dit toutes ces paroles-là. Voici mon dernier mot. Je vous ai dit toutes ces paroles pour que vous sachiez que voici ce que Dieu a fait. Détruis deux vies, fais sortir les gens de la vie. Pour être épargné, Dieu a fait quoi? Il a mis une loi. En partant, ne regardez pas derrière. Ça, c'est une loi. Et prends les gens de la terre pour aller au ciel. Est-ce que Dieu ne va pas établir des lois aussi? Dieu a donné beaucoup de lois. Il y a des lois même qui ne sont pas écrites dans la Bible. À chaque période, sa loi. À chaque période, son sacerdoce. À chaque période, son sacerdoce. À chaque période, des hommes que Dieu veut sauver. À chaque période, des lois. Aujourd'hui, nous avons notre loi. On peut dire aujourd'hui, si tu ne fais pas la délivrance, tu n'auras pas la vie éternelle. Tu n'iras pas au ciel. Si comme le gars est notre monde, on allait être pour garder. Les gens qui viendraient après nous vont prendre connaissance de cette loi. Tout ce que Dieu a dit à la prophétesse, non. Tout ce qui est sorti de la bouche de la prophétesse, non. Nous devons prendre en considération. Il ne suffit pas d'écouter, mais il faut mettre en pratique. Amen. Il faut mettre en pratique. Une bonne femme du foyer, son premier rôle est de s'occuper de son mari et de ses enfants. Lorsque les étrangers arrivent, s'ils sont 1, 2, 3, il faut accepter. Il ne faut pas murmurer. Amen. Amen. Toi, en tant que femme de foyer, ta première mission, c'est de faire quoi? Quelle est ta première mission? S'occuper de son mari, ses enfants. Amen. Il doit s'occuper de tous ceux qui viennent à la maison. Elle doit garder son foyer pour qu'il y ait la paix. S'occuper de son mari, s'occuper de ses enfants. On dit l'homme, sa femme, ses filles. Amen. Donc c'est une famille. La femme doit s'occuper de son mari premièrement, ses enfants et le père, la mère, ainsi que tout le reste de la famille.